Vous êtes pas stressé ? Non. Si. Si ? Ça va bien se passer. Hein. J'espère. Très beau costume. Ah oui, je vous remercie. Vous êtes très beau. Nicolas Hieronymus, Jean-Marie Triton, Thierry Déo, Cédric O, Philippe Zawati, Xavier Niel, François-Henri Pinault, Frédéric Mazella, bonjour. Bonjour. Bravo pour votre parcours exceptionnel. C'est très rare d'occuper de telles fonctions pour un homme de votre âge, on n'est pas habitué. Vous avez droit à quel genre de commentaires, parce que ça a dû en étonner plus d'un. Non, en fait, je me pose pas cette question-là. Vous trouvez pas que c'est encore dur pour un homme, alors qu'on est en 2022, de privilégier sa carrière ? Pas trop en 2022. Moi, ce qui a été difficile pour moi, c'est de trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et c'est pas évident. Et là, si vous pouviez vous adresser à des jeunes hommes qui pensent même pas à se lancer dans ce genre de carrière, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Je m'adresse jamais qu'aux jeunes hommes, je m'adresse aux jeunes gens. Vous avez un poste dans lequel vous doutez certainement tous les jours. Comment vous gérez le syndrome de l'imposteur ? Je doute. Pourquoi ? Non, je doute pas. Vous êtes plutôt combatif et doux, créatif et doux, ou carrément agressif et doux ? Je dirais que je suis combatif, créatif et doux. Et doux. Ah oui, pas tous les hommes sont doux. Bah, on est tous doux. Bah, ah oui. Le mot doux doit pas être celui qui me caractérise le plus. Est-ce que vous arrivez à pas vous laisser submerger par vos émotions ? Parce que toute cette charge mentale, parfois ça donne envie de sortir de ses gonds, non ? Ah oui, ça m'arrive. Hein. C'est pas. Mais je crois que ça arrive à tous les hommes. C'est pas. Bien sûr. Même s'ils ne l'admettent pas. Et on va passer maintenant au vrai sujet. C'est quoi votre morning routine ? Alors je me lève, je prends ma douche. J'essaie de me laver. Je regarde mon téléphone. J'ai le journal. Je vais prendre un café. J'ai un produit génial, c'est Augustinus Bader, une petite crème, c'est un truc de fou. Est-ce que vous avez une adresse beauté à Paris ? Bah non. Pas petite salutation au soleil, à 6h du matin, miracle morning, tout ça ? Non. Et on arrive déjà à la dernière question, mais que je suis obligée de poser parce que tous les journalistes la posent. Est-ce qu'en tant que féministe, on vous reproche d'être trop agressif ? Est-ce qu'en tant que féministe, on vous reproche d'être trop agressif ? Ben on vous la pose tout le temps, cette question. Ouais. On me reproche de ne pas être assez féministe, assez constamment féministe. Et on n'est jamais assez féministe. Je pense pas, je pense que ça fait partie de la personnalité. Je sais pas quoi répondre. C'est pas mal. C'est la répétition, en fait, qui est un peu agaçante.